pour cette 22e émission de Motard du Cœur. Le Motard est avant nous. Je crois que nous sommes aussi nombreux que les années précédentes, si ce n'est plus. Donc, cette 22e édition de Motard du Cœur a commencé le week-end dernier par les collectes sur le BAB qui ont été aussi fructueuses que les années précédentes. Je pense que les estimations sont entre 13 et 15 tonnes qu'il faudra affiner. Donc aujourd'hui, c'est la balade, on va dire, traditionnelle qui va nous amener à sillonner les routes du Pays Basque et à s'arrêter dans les différents points de collecte que nous avons mis en place. Il ne faut pas oublier que, avant tout, c'est la journée des motards et il faut que l'on montre notre générosité. Donc c'est pour ça qu'on a mis les deux camions des Restos du Cœur à l'entrée de la place Iquintao. On comprend bien ceux qui sont des sportifs et qui n'ont pas pu amener leur contribution. Ils pourront le faire dans les nombreux supermarchés sur lesquels on va s'arrêter. Donc, je vous rappelle le circuit. Vous avez tous eu le petit papier et le roadbook. Donc, nous allons aller sur Saint-Pé-sur-Nivelle. Ensuite, Espelette, où nous ferons une longue pause de café. Ensuite, Ustaritz, le super Ustaritz. Et nous finirons la matinée à Saint-Étienne-el-Baïgorry. Donc Saint-Étienne-el-Baïgorry, ce sera le lieu du pique-nique, puisque comme le beau temps est avec nous, nous n'irons pas à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais nous ferons le pique-nique à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Ce soir, et même au départ ce matin, nous n'aurons pas la police nationale qui nous escorte à la sortie de Baïgorry. Donc soyons vigilants, encore une fois de plus, respectez les gilets jaunes. Voilà.